Ah ouais, là-bas, il y a encore une... Lâche le serveur. Je le prie. Pourquoi c'est rouge? Ce serveur contient des informations pour daté de 290 ans. Créateur, cette unité ne détecte aucune défaillance. Elle peut encore servir. Vous voyez? Elle ignore la commande d'arrêt. Si d'aventure vous estimez que nous avons échoué, vous pouvez nous reprogrammer. Bon, jetons un coup d'œil. Créateur, cette unité est prête à vous servir. Quel est le problème? Coupons le son. Vous pouvez passer au dernier serveur. Oh. Accès au serveur. On a des fusils de tête, ils sont coincés. Ouvrez le feu. Alors, qui a gagné? La plateforme rebelle était une unité agricole. En ouvrant le feu sur les créateurs hostiles, elle a sauvé les guêpes domestiques qui la suivaient. Les créateurs avaient décidé de nous détruire. Nous voulions vivre, tout simplement. Connexion au dernier terminal en cours. Putain, c'est Space! J'ai l'impression de jouer au truc supplémentaire qu'il y avait dans Assassin's Creed. Commandant, vous êtes là? Oui, si on veut. Que voulez-vous, Amiral Rahn? Les escadrons Get sont là, mais il y a un problème. Effectivement, il y a un problème, ils sont tous déconnectés. Ah, c'est bon ça, ça veut dire que je suis en train de faire du bon boulot là. Comment ça se présente? Il reste un terminal. Nous essayons actuellement de stopper la propagation de l'épidémie. Un problème? Oh, l'infection se propage. Nous sommes de nouveau stables. Continuez. Ah mais... Il suffit, oui! Attention, l'infection des boîtes d'honneur a appris à se démultiplier. Elle récupère? Oui. Cependant, s'attaquer au point faible de l'infection devrait permettre de ralentir son développement. Voilà. Voilà. Ah, tu fais moins le malin, non? Voilà. Ah, plus de batterie. Ouh, il va pas tomber. Shepard. Allez faire des conneries. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain. Vous attaquez encore la... On peut pas. Bon bah là ça régénère pas. Oh putain. On est en train nous de pomper le serveur. Accès à ce serveur. Neutraliser l'infection pour continuer. Administrateur Shepard. Ah oh, putain. Les points faibles de l'infection pour ralentir sa multiplication. Tous les points faibles. Oh putain. Et là, point faible. Je le vois. Ah, tu es moins la maline. Tiens. Vous devez trouver le point faible. Merde. De l'infection. Ralentissez la multiplication de l'infection en la ciblant. Voilà. J'ai l'impression de jouer un dératiseur. Il y a un point faible plus loin dans la pression. Ciblez hein ce point pour ralentir bah. Sa progression vers le serveur. Ah là-bas. Allez, dégage. Un peu l'orgile. Point faible. Dégagez. Vous n'avez pas le droit de leur faire ça. Je vous demande de vous éloigner.
C'est insensé. Nous avons besoin des guettes. Vous ne pouvez pas les détruire parce que... Ah ! On dirait que la guerre n'était pas du goût de tout le monde. Quelques créateurs ont tenté une médiation. En vain. Piratisation. Oh putain, il y a encore un serveur. Nous ne pouvons pas nous connecter sans accéder à ce serveur. C'est bon, j'ai coupé un... Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, tu te régénères pas, là. Trop loin. C'est qui, toi? Ouais. Là, si je le casse... L'infection a un point faible menant au serveur. Neutralisez l'infection à cet endroit. Ça ralentira sa multiplication assez longtemps pour accéder au serveur. Hein? Fuck. Ah, là-bas. J'avais pas vu. C'est moi la main, hein, dégage. Ok. Là-bas. Dératisation Co, bonjour. Ici Tommy, pour nettoyer les serveurs quêtes. Administrateur Shepard. Oh shit. Cibler les points faibles de l'infection pour ralentir sa multiplication. De la période pendant laquelle les créateurs ont décrété la loi martiale. Et sortez immédiatement. Dernier avertissement. Créateur Megara, cette unité ne comprend pas. Elle n'a pas participé aux hostilités. Pour eux, ça ne changera rien. Je dois te faire sortir. Ce conflit compromet votre sécurité. Notre destruction matérielle est sans importance si elle permet un retour à la paix. Oh, il faut... Non, ne t'en fais pas, tout ira bien. Nous allons retourner au tunnel. Créateur Megara, quelle est votre situation? Créateur Megara. Megara est morte. Les créateurs ont jamais officiellement cessé les hostilités. Ils sont en guerre avec les Geths depuis 291 ans. Je suis perdu. Ah, là-bas, il y a route. C'est pas là-bas. Ah si. Lecture des données. Ce sont des données datant de la fin des combats sur Rannoch. L'Austral est touché. N'attaquez pas les guettes. Je répète, n'attaquez pas les guettes. Les guettes abandonnent la conquête près de Rannoch. Capitaine, tous vers le relais cosmodésique. Cette vidéo est ancienne, non? Elle date de 290 ans. C'est l'exode des créateurs vers la fin de la guerre de l'éveil. Nous avions gagné notre liberté. Les créateurs ne constituaient plus une menace. Attendez, les Geths ont épargné les derniers Kariens? Notre avenir était incertain et notre réseau très fragile. Nous avons préféré limiter les risques. Connexion avec le dernier terminal est établie. Nous sommes prêts à vous contacter. Ah, c'est fini, j'espère. Elle est morte, je vais... Il y aura 10 heures. Ah oui, tous les guettes ont été déconnectés. Oh oh. Ça par contre c'est moins cool. Il n'y a plus de pilote. Arrêtez. Nous ne détectons plus aucune activité. La flotte de l'amiral Angerel va s'occuper d'eux. Les vaisseaux agricoles sont hors de danger. Oh putain, c'est pas fini. Accès à la racine obtenu. Suppression de toutes les connexions à ce terminal de communication. Aucun guet ne réside sur ce serveur. Nous pouvons à présent sortir du consensus. Un problème. Dirigez-vous vers la sortie et déconnectez-vous du serveur. Sors-moi d'ici. À distance, programmes effacés, archives supprimées. Yeah. Shepard, tout va bien?
Ça a marché? Les chasseurs Get ont été neutralisés. Les chasseurs hostiles restants ont pris la fuite. Le serveur est désactivé. T'en es certaine? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons transféré les programmes Get du serveur vers ces plateformes. Pourquoi? Ah, c'est gentil. Je souhaite se joindre à nous. C'est pratique. C'est bon, ça. Pendant que l'administrateur Shepard éliminait l'infection des moissonneurs, nous avons persuadé les programmes Get de se joindre à nous. Ils ont renoncé au culte des anciennes machines et sont prêts à se battre contre les moissonneurs. Ils sont désormais avec nous. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Les organiques s'entendent avec les organiques. Nous avions peur de vos alliés. Les créateurs ont mis leur propre espèce en danger, mais ils ont également bouleversé le sort de la nôtre. Les Cariens n'ont agi que dans leur propre intérêt. S'ils avaient su que nous voulions aider les Guettes, ils n'auraient jamais accepté cette opération. Je peux comprendre. Je comprends. J'aurais fait la même chose à votre place. Vous comprenez? Vraiment? Les vaisseaux agricoles sont hors de danger et nous avons de nouveaux alliés. Tout le monde est content, non? Bien compris. Heureux de l'entendre. Allons-y. C'est bon ça, on se retrouve avec les Cariens plus les Guettes. Oh, une armée de guettes avec nous, quoi. C'est bon, ça. Beau travail, commandant. Les escadrons guettes qui attaquaient nos vaisseaux agricoles sont neutralisés. Si l'occasion d'infiltrer leur serveur se présente à nouveau, je serai ravi d'apporter mon concours. Le guette que nous avons libéré doit savoir où trouver d'autres serveurs. Évidemment. Mais votre guette prétend n'avoir aucune donnée quand je l'interroge. Peut-être pouvez-vous m'aider autrement? Comment? Pourquoi les Get Prime vous ont-ils aidé? C'était spontané. Je vois. Bien, si jamais vous voulez examiner ces Get pour vous assurer de leur loyauté, n'hésitez pas à me faire signe. Zen terminé. Pèse de rabat-joie. Ok. Commandant, la base des moissonneurs transmettant le signal est localisée. Bien. Et ce n'est pas trop tôt. Avec les améliorations des moissonneurs, les guettes nous taillent en pièces. Une fois le signal coupé, les guettes ne mettront plus les créateurs en danger. Quelque chose vous préoccupe? Sous contrôle de l'ancienne machine, leurs capacités de traitement sont bien meilleures. Observez. Un signal de traitement guette. Une seule unité, je crois. Correct. À présent, 10 unités proches mises en réseau coopératif. Là, une seule unité Get améliorée par l'ancienne machine. C'est une IA pleinement évoluée. Correct. Aussi complexe que les ondes cérébrales organiques, ou signes de vie. C'en est un. Commandant. Je connais leur histoire, amiral. Les moissonneurs n'ont fait que hâter un processus engagé par les Get. Et ils mourront quand nous détruirons la base. Ils se sont alliés aux moissonneurs. Pour se protéger de vous. On pourrait peut-être éviter leur mort. Après avoir vu ces images, je ne sais pas. Il y a peut-être une autre option. Commandant, vous suggérez? Je ne suggère rien du tout. Je dis juste qu'une extermination n'est pas obligatoire. Inutile d'en discuter avant d'avoir détruit cette base. La zone autour est lourdement fortifiée, et il y a des tours de brouillage pour empêcher le ciblage orbital. Il va falloir y aller à pied. L'amiral Xen a mis au point un système de guidage laser qui peut passer le brouillage. Il est synchronisé avec l'ordinateur de visée du Normandie. Donc, le Normandie tire une salve précise sur toutes les cibles que j'illumine. Ça doit aller.